Rebonjour, jeunes gens. Ça, j'ai tout bagasse. J'ai tout bagasse dans ma besace. Tout à plantasse. Donc, je suis revenu. Et on va pas perdre de temps. On va reprendre là où j'en étais. Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Cette Il fait tellement circonstance. froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Le son du jeu est peut-être un petit peu fort. Ça m'énerve, je sais pas trop comment régler ça, mais c'est pas grave. Ça va gueulasse. On y va. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard à Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. À Turner. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à mijoter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Calme. Ça y est, Pecnoland, bonjour. Caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour ça donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. La joie règne, c'est Noël. D'accord. Ah là là. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Allez, c'est reparti, jeunes gens. On y va, bataille des Ardennes. 25 décembre 44. J'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien de toute façon. Il est où le campagnard? Vous avez regardé mes pressions de live. Si tu le vois, fais-moi signe. Que je suis nul. Sacré les gars. Ah ouais. Rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Ayello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse mouche. Les gars. Hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Tu nous as apporté quoi? Du chocolat? Des chaussettes sèches? Merde, débauche sur la colline, à 12 heures! Henriet, Daniels, bute-les!
Oui, bien sûr, bute-les, mais oui. Bute-les avec ton sniper, si tu vois que dalle. C'est tout, cherchez-en d'autres. Moi, j'y vois vraiment que dalle. Bah, il est là. Et but. Au tir d'Agnès. Et comment ils font pour passer la 88e? Tu devrais aller à la tente de commandement. Putain, retourne à la tente de commandement. Qu'est-ce que tu fous? Non, t'as plus de forme. Ça y est, t'as trop froid, tu cours plus. Là. Allez, là-bas. Moi qui suis nul. Alors, hey, tête caporal. De cul. J'ai une surprise pour toi. Monsieur Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je... on sait pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer... Les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les pilotes savent plus où donner de la tête. Ouais, là, avec du ravitaillement. Servez-vous! Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au... Ouais, en espérant qu'il reste un peu. Si vous avez des munitions, ouais. Il y a une radio dans notre ancien PC! Couvrez-moi! Le temps que je la mette en marche! Ce PC est trop proche de l'ennemi! Hé, hey, c'est caporal maintenant, bordel! Alors agis comme t'es! Je vais pas nous demander d'y aller avec lui! J'ai du quiz! C'est pas nouveau! Hé! J'étais sous-officier! J'ai renoncé à mes galons! Faut qu'on bouge! Et vite! Passez devant! C'est à l'envers! Je vais te mettre mon poing dans ma gueule! Hé! Hey, fais ton boulot! Howard meurt, on est tous foutus! Non, c'est pas Daniel, ça. Je la tiens. Elle est amochée. Ça va me prendre un peu de temps. Retenez-les. C'est pas grave. Facile à dire pour toi. Proche, on approche. Couvrez-moi. Merde. Putain de merde!
rien. Alors, Rover Joe, Rover Joe, ici Dagwood, White 5. Je demande un soutien aérien. À vous. Bien reçu, Dagwood, White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. Évitez leur DCA. Qu'est-ce que je prends ? En formation. Restez près des bombardiers. Non, mais non, non.
On va s'écraser! On va s'écraser! Dagwood White 5, avion en route à 50 miles, à vous. Faut qu'on dégage de là, allez! Daniel, reste avec nous! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! Où faut aller? Ne porte pas la balle, Daniel! Ils sont derrière nous! Ah, je suis mort! Je me souviens un peu comment on se soigne. En attendant! Faut qu'on dégage de là, allez! Merde. Tiens, j'ai pas les touches. Merde. Commande. Paramètres de la souris. Accélération des touches. Pardon. Excusez-moi. Merde, quand même. Quelques semaines, j'ai pas joué. Ça y est, je suis. De secours 6 quelqu'un près de la mitrailleuse. Ah ouais, c'est mieux. Parce que je suis nul. Je suis mort, merde! C'est bon là! J'ai eu.
Attention! Et non. Mais j'envoie une fumigène! Tiens bon! Tiens! Sors-moi de là! Accroche-toi, l'ami! Et c'est dans mon viseur! Désolé, surveillez cette lisière! Restez dans la fumigène! Moi, je vais revenir! Mais quel mauvais! Sûrement une médaille comme ça. C'est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant.
Daniel s'emmène ses boches au traitement. Oui, c'est vrai. Magne toi le train. Hé, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Y'a plus que nous, les gars. Pearson était certain de nous envoyer à la mort, mais nous avons réussi à défendre le convoi, et nous sommes parvenus à repousser les ennemis. Turner aurait été fier de nous. C'est clair. Allez, je pense qu'on va continuer. Hop. Ça va ? Pour voir que j'étais un gros nul, je m'en fous pas si mal que ça. Embuscade. Pearson a encore un peu plus sombré. J'ai comme l'impression qu'il m'entraîne avec lui. Mais je dois rester fort si je veux que tu sois fier de moi, frérot. Bah... Suite. Oh ça, pète. Il veut quoi ? Oh ça, pète. Tiens. C'est quoi ce sergent ? Reculez, sergent ! T'as quoi, là ? Hein ? Et ça, ça te plaît, hein ? Ça te plaît ? Parfait, merci. Salopard. Sergent ! Hé ! T'en mêles pas, toi ! Hé ! Hé, stop ! Méchisme ! Méchisme ! Arrête, ça sert à rien. Daniel ! Maudite boche, pourquoi tu fuyais comme ça ? Qu'est-ce que tu te caches ? Ce salopard nous a caché ça. Donc ça. Ça veut dire quoi, cette merde ? Ce sont des ordres pour placer des explosifs sur le pont de Remagen. Le matériel va être chargé sur des camions à 7 km au nord. Si je comprends bien ce document, c'est le dernier pont encore en état pour traverser le Rhin. Oh bah ça alors, Fritz. Que de bonnes nouvelles. Et c'est qui ? Les camions chargés. Les explosifs passeront bientôt par ici. On peut pas les laisser atteindre le Rhin. Pearson nous a donné l'ordre de bloquer la route avec ses troncs d'arbres. Mais où est Pearson ? Sûrement dans une planque avec le détonateur. Et du whisky. Eh, vous savez ce qui peut saouler ? L'hypothermie. Pas si tu te remues tout le temps. Styles, t'es dans le groupe de Pearson. Quelle chance. Daniel Sussman, vous m'accompagnez le temps que je pose la dernière charge. Et on attaque les camions. D'accord. Allez, on y va. Heureusement qu'on a trouvé ces informations. Hein. Un pas de plus vers le Rhin. Je sens déjà la puanteur d'Adolphe. On doit d'abord arrêter ces camions. Je m'en occupe. Allez surveiller la route pour repérer les camions. Ok. Et c'est le signal. Les camions arrivent. Là-haut, Daniel, tu auras une meilleure vue. Là-haut. On voit Nazir sur la route. Howard. Les charges sont prêtes. On attend le signal de Pearson. Ça va être le bordel. Hey, attendez qu'ils sont en position. Sors du camion! Le
besoin d'aide! C'est la dernière vague! Tuez les derniers blocs! Avant Enip! On va utiliser ce camion pour infiltrer leur base aérienne et détruire les explosifs. Aiello, prépare-le pour le voyage. Yeah! Bien sûr, chef! Prends des hommes et dégagez la route. Aïe, viens avec moi. C'est moi! Allez, on y va. On avance. On se rapproche du Rhin. On va y arriver. On franchira la porte à 0300. Il faut trouver un endroit surélevé pour couvrir notre assaut et détruire les derniers camions. Hé, fermez-la. Surveillez les patrouilles. On y va. Voici nos deux points de vue près de l'entrée. Il doit y avoir plusieurs moyens d'entrer. Et la base. Eh ben oui, bien sûr. Tout à fait, Micheline. Alors je vois un Toyo. On peut peut-être essayer d'y aller. On va essayer de passer par le Toyo. Chut, les poches sont partout. Ok, faut trouver un point d'observation donnant sur l'entrée. Et on y va. Vachement discret, l'ouverture de grille. D'accord. Chef mon cul. D'accord, c'est pour repartir de l'autre sens. Hein? Oh, trop de discours. Bah, impossible, vous voulez. Dieu, je vais pas rester plus longtemps. Prochain, non? Pas moi. Pas vrai, je suis pas là. On doit trouver un endroit surélevé pour les aider à détruire les explosifs. Observation, éliminer option. Ce chemin mène vers la crête. On va aller par là.
au feu. L'escouade de Pearson va bientôt attaquer le portail. Fouille la zone et cherche des cibles. Les explosifs sont chargés sur ces camions. Regarde à droite. Pearson est près du portail. Attends.
crois que c'était dans le scénario. Je crois que c'était dans le scénario, donc ça va. Je me suis pas trop de base débarrassé. C'est pas bon là. Les prisonniers de guerre juifs s'en tirent rarement. Reste calme, ça va aller. C'était pas loin. Ça va? Jusman est capturé. Désolé pour ton ami, mais on doit s'occuper du dernier camion. Non, tu vas nulle part. Ils ont Jusman. Ils avaient le choix avant tout. Je peux pas l'abandonner. Je ne dois pas perdre ce camion. Désobéir. Eh ben envoyez-moi en cour martiale. La désertion, c'est la peine capitale. Alors peut-être que je devrais nous rendre service à tous. Et mettre fin à tout ça. Sergent. C'est fini. T'appartiens plus à ma section. Dégagez-le. De ma section. Comment dire que je suis mal? Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Jette die Plaque. Jette die. Cherche les Juifs. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch.
Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! On est américain. Point barre. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Seid die Mörder! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Ça fait 8 semaines que Zussman s'est fait capturer. Mais j'essaie de garder espoir. Je dirais comme un déserteur. Monsieur, dites-moi qui l'ont trouvé. Non. Si seulement, fiston. Pearson ne se souciait pas du tout de lui. Pas plus que de ses hommes à Catherine. Catherine ? Vous avez tout faux, soldat. Pearson a reçu l'ordre de battre en retraite. Et certains de ses hommes étaient coincés dans cette passe. Il ne pouvait pas se résoudre à partir sans eux. Mais il a fini par perdre encore plus d'hommes en tentant de les sauver. Depuis, il n'est plus le même. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour Pearson. Vous rentrez au pays. Je vais finir en cour martiale, monsieur. L'image de l'armée serait bien ternie. C'est vos punitions, le soldat qui nous a tant fait progresser. Eh oui, les informations que vous avez trouvées sur ce prisonnier nous ont permis de localiser le dernier pont traversant le Rhin. Il se peut que vous receviez l'étoile de bronze. Vous êtes un vrai héros. Ouais, mais j'ai pas réussi à sauver mon copain. C'est pas cool. Paul Lebron. Super. C'est bon de te revoir, Red. À partir de maintenant, je compte plus te lâcher d'une semelle. Tu m'as bien compris, caporal ? Oui, madame. Est-ce que tout va bien, Red ? On est là pour causer ou pour chasser, hein ? Tu devrais être fier de toi. T'as surmonté ta peur, tu t'es défendu. On ne peut pas demander plus à un homme. C'est la meilleure sensation au monde, pas vrai ? Connaître l'enfer et revenir chez soi en véritable héros. Red ? Red ? C'est un vrai héros. Pas vrai. Je suis pas d'accord. À la vie, à la mort. J'ai été démobilisé. Pire encore, les Boches ont capturé Zussman. Mais je ne l'abandonnerai pas, même si je pouvais rentrer chez moi. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Tout va bien. On va continuer parce que j'ai pas mal. Mars 1945. Notre mission avec la 9e DB et la 99e est de prendre le pont de Remagen. Si nous traversons, les dernières poches de résistance allemande s'effondreront. On y va. On attaque direct. Je ne demande qu'à être avec Hazel quand le bébé sera là. Mais je dois convaincre Pearson de me laisser combattre. Je dois retrouver Zus, il ferait pareil pour moi. Si je ne survis pas, je...
Je veux que tu t'occupes d'eux, Paul. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis? Du suicide. Vaut mieux pas rentrer. Pearson a picolé. Merci pour l'info. Non, mais tu te fous de moi. J'abandonnerai pas, Zussman. Parles-en à l'aumônier parce que j'accepte que les subalternes qui savent suivre les ordres. Vous ne suiviez pas les ordres quand vous avez refusé d'abandonner ces gars à Catherine. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous le savez. Tu ferais mieux de partir tant que tu peux marcher. Davis m'a dit, ce n'était pas votre faute. Vous ne pensiez qu'à la survie de votre section. Dégage! Dégage! Je bougerai pas! Je t'ai dit de dégager! Nom de Dieu! J'avais pour ordre de me replier. J'avais quelque chose à prouver, j'ai dit à mes hommes que... qu'on arriverait à tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ils sont jamais venus. Jamais. Alors ouais, t'as raison. Mes hommes sont morts par ma faute. Non. Va-t'en. Je partirai avec ma section. Tu penses avoir des tripes, hein? Essaie de faire ton travail, jour après jour, alors que tes hommes se font tous massacrer. Turner n'aurait jamais baissé les bras comme ça! Est mort! Alors que sa mort ne soit pas vaine! Pas de sacrifice trop grand! Tu n'as aucune idée de ce qu'est un sacrifice! Et ça, c'est quoi? Un certificat d'immobilisation signé par Davis. Mon billet retour. J'aurais pu tout avoir. Un accueil de héros. Ma femme dans mes bras. Et même une étoile de bronze. Mais il me reste une dernière mission. Alors t'es vraiment cinglé. Qu'est-ce que vous pensez? D'accord, c'est bon. Sergent. J'ai dit que c'était bon, bordel. Si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Allez, maintenant, dégage de là. Ah, toute la famille est réunie. Alors voilà dans le bateau, les gars. Pas encore. Prenons ce pont et sauvons notre camarade. Oui, caporal. C'est reparti, mon gars. Si Zussman est en vie... Tu as bouffé ton slip, Pearson. Il est de l'autre côté de ce pont. On doit capturer le pont en premier. Bon, le voilà, le dernier pont encore debout sur le Rhin. Si on passe le Rhin avec le convoi, on sera au cœur de l'Allemagne. Plus rien ne nous arrêtera. Là, c'est sûr, ce sera tout ou rien. C'est le moment de vérité. Pour avancer vers le fond. En avant! Viens, prenez, prenez la route!
attention. Un coup vous pouvez plus voir les navires, un coup attends. Faut déconner non ? Mets-toi à terre. Hé, hey, Daniels, sécurise l'ennemi. C'est tout bon. J'ai des fumigènes et des grenades en rap. Walter se mit auto, mais je prends. Voilà, ça c'est mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Rejoignez personne. Pardon, excusez-moi. Escouade avec moi. On se dirige vers le port. Attends deux secondes. Il y avait pas une trousse de soins, j'ai cru voir un truc. Ich bin Amerikaner. Ich flehe euch an. Kann meine Beine nicht bewegen. Voilà, crève. Voilà. Bon. On y va. C'est bon, je suis là. Les Boches vont faire sauter le pont. On doit les arrêter. Styles, au rapport. Ils balancent tout ce qu'ils ont. Il faut gagner du temps. On s'occupe des charges. Très bien, je passe devant. Daniels et Styles protégeront les ingénieurs. Ouais. Allez, on y va. Vous deux, désamorcez les charges sur la structure principale. Les Boches se replient. Restez planqués et ouvrez l'œil. Devant. À toi de jouer, Daniels. Ouvrez le feu ! Non ! Retourne ! Quel récolte !
T'es toujours avec moi. Le pont a tenu. Cette saleté a tenu le coup. J'ai des grenades et des fumigènes, si tu veux. Debout. Et en avant. On a encore du boulot. Écoutez. Des avions. J'ai des grenades et des fumigènes, si tu veux. Stuka. Ils veulent bombarder le pont. Allez, dégagez tous. Renforcez leur tête de pont. Je suis mort, je suis couru. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh mais merde, je me suis fait abattre comme. Bon, c'est pas bien les choses. On va se soigner déjà. Vous me faites chier. Tout devant. Ah mais merde. Vraiment que je le tue, celui qui est dans le camion en haut. Celui qui monte dans le camion. Pousse-toi, t'as de merde. Voilà. Ah oui, c'est bon, ça va, je m'en occupe. Donne-moi autre chose que ça, là.
Daniel, monte là-haut. Oui, c'est bon, ça va, franchement. Oh. Ces zincs vont faire exploser le pont! Il faut récupérer ces canons de TCA! Ok. Canons de TCA. Daniel, revoir! Avec moi! Avancez! Vite! Oubébi! Fumigène et tir de suppression! Vite! Non, je suis fumigène, merde. Rejoins les tranchées! Bouge-toi! Il faut récupérer ces canons de TCA! Où est-ce qu'ils sont? Avec moi!
Tout le monde à terre! Ils se rendent! C'est fini! Ça y est. Oh yeah! On a gagné! Et j'ai saturé le micro! Le pont est à nous. Caporal Howard. Je crois que je vous dois des excuses. Tu me dois beaucoup plus que ça. Bon, on n'a pas retrouvé Zussman. Allez-y! Alors. On vient d'entrer dans l'histoire, les gars. Les premiers à franchir le main. Qu'est-ce que tu regardes, le Fritz? On nous signale des camps de prisonniers dans le coin. Davis nous a ordonné d'attendre l'autorisation avant d'intervenir. Mais tu sais quoi faire des ordres de Davis? Bien compris, sergent. Très bien. Oh yeah! On va ne pas suivre. Je suis fier qu'on ait tenu la première tête de pont sur le Rhin. Et maintenant, le convoi va atteindre le cœur de l'Allemagne. Selon certains, la guerre est presque gagnée. Pas pour moi. Pas tant que j'aurais pas trouvé Zus. Nous avons quitté le pont à l'est du théâtre d'opération, et en chemin, nous sommes tombés sur des camps. J'y ai vu les traces d'actes de cruauté, dépassant mon imagination. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert là-bas. Les survivants ont dit que les autres prisonniers de guerre, notamment Zussman, avaient été transférés dans un plus petit camp à 3 heures d'ici à l'est. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'ils soient encore en vie. À Berga. Ben, nous y allons sur le champ. C'est le dernier. On dirait un camp de travail. Allez. J'ai l'impression que c'est désert. Tout a brûlé, tout a été destroy. Destroyer. C'était nos gars. Sors ton appareil. Le monde doit savoir maintenant. On les traitait encore plus mal que des animaux. D'après ce que j'ai vu, ils étaient battus, affamés, travaillant jusqu'à l'épuisement. Les nazis avaient assassiné nos amis de sang-froid, et aucun feu n'aurait pu effacer les traces de leur meurtre. Je crois bien qu'ils ont servi d'exemple. Ils massacraient les plus faibles. Tous ceux qui les ralentissaient. Daniel, par ici. Oh merde. Daniel, faut que tu vois ça. La piste mène au champ, ils ont dû les conduire là-bas. Alors c'est là qu'on va. Je me ferai pas trop d'illusions, Caporal. J'ai fait une promesse à Zussman. On retrouvera, mais je peux pas promettre qu'il sera en vie.
pas. Sergent, j'ouvre la voie. Jugement! Allez! Prête! Prête, tire-lui dessus! Et voilà, la boucle est bouclée. Ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire, c'est vraiment comme si j'étais né pour vivre ce moment. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Tu es mort entouré de neige. Parce que j'ai échoué. Oh. Et merde, j'arrive, Zussman. Tu vas pas mourir, mon pote. Pas ici, pas maintenant. Zussman ! Là, y a pas de neige, hein. Man. Jusman! Je reviens, levez gauche! Non! Allez, c'est fini. J'aurais été en train de rêver. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai cru qu'ils étaient partis. J'ai cru que j'allais crever seul ici. Vois ça. Doucement. Voilà. Tu m'as toujours protégé, Paul. Et je m'en rends compte maintenant. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui permet de tenir dans cet enfer. Et cette chose, c'est un frère d'armes à vos côtés. Lorsque l'histoire vous a appelé, vous avez répondu. Riches et pauvres, vous êtes venus pour défendre la paix et la liberté. Je vous remercie. Et le monde entier vous remercie. Et surtout, quel que soit le chemin que vous emprunterez à l'avenir, n'oubliez pas, vous serez toujours des frères d'armes. Voilà, c'est fini, les gars. Zussman aurait voulu que tu l'aies. T'en auras plus besoin que moi. T'as un gamin, maintenant. Merci, ça fait plaisir. Ah, t'y arriveras. Messieurs. Amérique, ton fils prodigue est de retour. Et toi, ça va aller? Je dois dire au revoir à Zussman. Sergent. Vous rentrez chez vous? Je suis chez moi. Et toi, alors? Tu vas rempiler? Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le Texas. Prends soin de toi, Pecno. Ouais. Comme mon fils me demandera, je lui dirai que j'ai combattu dans la première. Avec ce salopard de Pearson. Et encore, t'as rien vu. Si jamais tu passes à Chicago, je viendrai. Peut-être que je passerai à l'improviste à Longview avant. Tu seras toujours le bienvenu. Tu sais, quand ils nous ont fait prisonniers, ils ont pas pris seulement notre liberté. Et même quand on était ensemble, on savait qu'on était seul. À essayer de survivre à tout prix. Et toi, t'aurais pu rentrer au pays en héros. Pourquoi t'es revenu? J'ai vu cette vie. J'aurais pas supporté. À la mort. À la vie.
Mon rêve était différent cette nuit. Cette fois, on a pu rentrer. Ensemble. Je peux toujours entendre les loups, Paul. Parfois, je peux même les voir. Et tu m'as montré comment les battre. Ceci devrait te revenir. Car le sacrifice que tu as fait m'a appris qu'un héros risque tout pour sauver son frère. Et tu seras toujours les deux pour moi. Et voilà, c'était Call of Duty World War 2. Eh bien, j'aurais été bien nul pendant cette aventure, c'est génial. Néanmoins, je suis arrivé au bout, à la vie, à la mort. Donc voilà, voilà. Donc là, je pense que on va faire une pause. Et puis, je pense que dans la journée, je reviendrai un petit peu en live, histoire de rejouer un petit peu. Sur ce, je vous laisse. Allez, à plus tard.